Pirouette de ninja. Hello les gens, c'est les Ozologues, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo incroyable. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez bien, parce que ça m'intéresse au final, on n'en parle pas assez sur YouTube Game, et ben moi je suis là pour vous demander votre avis. Aujourd'hui, votre grand et célèbre Léozologue, c'est tout à fait faux ce que je viens de dire. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, vraiment, comme vous le savez. J'ai sorti une vidéo personnaliser son téléphone Android en 2019, voilà. Et là, direct, hop, un afflux de commentaires. Mais Léo, mais comment on fait pour Windows? Paf, passage en télé, TF1, tac, tac, tac. Mais que fait Léozologue? C'est totalement faux de ce que j'ai dit, il n'y a même pas eu un seul commentaire. Bref, imaginons pour l'histoire, comme ça j'ai l'impression d'être stylé et tout, donc s'il vous plaît. Bref, là j'arrive, je fais ok, ok guys, come on. Calm down. Et là j'ai dit, bah du coup, je vais la faire votre vidéo, je vais la faire. Et voilà, du coup, passage en radio, tout ça, bah, 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 bah. Et là, du coup, bah, je suis là. Je suis donc là pour vous montrer comment personnaliser Windows en 2019. C'est mon petit guide, voilà. Ce sera très rapide, il n'y aura que quelques petites applications que je vais vous présenter, mais c'est largement assez pour changer totalement la face de Windows. Voilà, en tout cas, la personnalisation sur Windows, c'est quelque chose qui est bien moins populaire que la personnalisation sur Android, mais pourtant, c'est hyper intéressant. Vraiment, maintenant que je l'ai fait, en fait, c'est ultra utile. Du coup, je suis trop content d'avoir trouvé ces petits tricks et je suis très content de vous les présenter. Voilà, j'espère que vous êtes contents aussi d'être là. N'hésitez pas à vous manifester, je ne sais pas comment, mais voilà, on sait jamais. J'en profite aussi pour vous dire, parce que personne ne regarde les messages de fin, mais que si la vidéo que vous aurez regardée vous aura plu, bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Beaucoup de gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne, c'est normal, parce que du coup c'est des vidéos qui sont assez exposées quand même aux recherches YouTube et tout ça. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, je ferai du contenu quand même autour de ça aussi, pas mal de choses, je vais faire des essais, tout ça. On va essayer de construire une petite aventure ensemble, ce serait sympa, donc voilà, vous avez le bouton s'abonner, n'hésitez pas à cliquer dessus quand vous en aurez envie. Enfin bref, il est temps pour moi de vous présenter tous ces logiciels, je fais des grands gestes de bras, je ne sais pas pourquoi, mais bref, je pense qu'on est bon, on est bon. Allez, j'ai la réponse. Première application que je vais vous présenter se nomme SAO Utils, pour Sword Art Online Utils. Vous n'avez pas besoin d'avoir vu l'animé pour aimer, c'est clairement pas en rapport avec les animés même, mais c'est juste quelque chose qui va totalement embellir votre bureau, en tout cas je trouve, et vous allez me dire ce que vous en pensez, dans quelques secondes, puisque ça va s'afficher à l'écran. Voilà, ça va vous permettre de créer un menu totalement à part pour ranger vos logiciels, vos jeux, tout ce que vous voulez en fait. Et ça va surtout vous permettre du coup de vider totalement votre bureau. Voilà, ça va enlever tous les trucs parasites et ça va permettre d'avoir un grand fond d'écran très très beau. Et ça c'est plutôt pas mal. Et du coup ça va permettre de pas gêner votre fond d'écran et d'avoir un grand espace très joli à regarder tout en ayant accès à toutes vos applications en un seul clic. Voilà, moi je l'ai mis avec un clic et scroll down. Comme ça active le menu, à vous de voir ce que vous voulez faire. Je vous préviens aussi, mais c'est l'application la plus dure à configurer des trois. Il vous faudra un petit peu de temps pour vous y faire et j'ai même pas le temps moi en ma vidéo de faire un tutoriel complet dessus. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a plein de tutoriels sur YouTube qui vous expliqueront très très bien. Et voilà, on s'y retrouve au final, mais moi je vous donne un petit peu mon résultat. Ça me permet surtout d'avoir un menu scroll down qui est très très joli et qui me permet d'accéder à tout en ayant du coup un bureau bien dégagé. La seule petite chose que je vais vous apprendre à faire, parce que du coup elle est pas forcément montrée dans les tutos ou qu'elle est pas en rapport avec l'application, c'est comment masquer ces icônes sur le bureau. C'est très très simple, vous faites un clic droit, vous allez dans affichage et vous masquez les icônes. Voilà, comme ça vous le savez, au moins je l'ai dit, parce que du coup c'est pas forcément dans les tutos et c'est quand même bon à savoir aussi, parce que c'est aussi ce que ça permet de faire pour moi cette application, donc forcément on en a besoin. Voilà, en tout cas comme vous le voyez déjà, ça donne un résultat très beau et organisé. Moi j'aime beaucoup et ça permet de faire beaucoup mieux ressortir son fond d'écran, donc c'est très très pratique. L'application est payante, je ne suis pas sponsorisé évidemment, et elle est au prix de 4€, vous avez le lien Steam en description, bien évidemment. Et on passe à la deuxième application, déjà c'est fou, le temps passe vite, incroyable, et cette deuxième application c'est Rainmeter, et ça va vous permettre aussi de faire de la customisation. On est là pour ça, c'est assez logique, on s'y attendait quand même. C'est donc la seule application qui est gratuite, mais par contre elle va vous permettre de faire pas mal de choses, notamment d'installer des widgets à part, donc elle est quand même assez grande en termes de personnalisation possible, puisqu'on peut télécharger du coup des choses derrière sur DeviantArt et tout ça. Moi pour les exemples, ça m'a surtout permis par exemple de mettre la barre des tâches transparente qui me permet encore une fois de faire mieux ressortir son fond d'écran, mais aussi une petite horloge avec des textes en japonais, voilà, donc du coup qui sont les heures écrites en japonais et qui est juste en haut à droite de mon écran. Voilà, je trouve que ça rend très bien, ça rend très clean, ça permet d'avoir un truc très joli encore dans une esthétique assez minimaliste. Vous avez évidemment le lien en description de la vidéo, celle-là est assez simple à comprendre, voilà, c'est très très simple même de s'en sortir en fait. Vraiment j'ai pas eu de galère spéciale, donc vous avez juste installer quelques trucs à part aussi. Et puis voilà, c'est tout bon. J'essaierai de vous linker l'horloge que j'ai trouvée dans la description, comme ça vous l'avez aussi si vous avez envie de la mettre. En tout cas voilà, Rainmeter, création de plusieurs éléments sur votre bureau, je trouve que c'est vraiment très intéressant pour la personnalisation et ça vous permet encore d'étendre un petit peu cet aspect personnalisable de Windows qui rend déjà la chose très belle. On commence à avoir un résultat qui est quand même très correct. Après, sachez que vous pouvez aussi mettre autant de plugins que vous voulez. Si vous avez envie de faire un truc méga hardcore avec des trucs de partout qui s'affichent, bah faites-le. Moi, je suis vraiment parti sur quelque chose de très minimaliste.
Voilà, l'horloge, ça me suffit largement, ça rend très bien en plus, je trouve, donc bah pourquoi pas. Du coup, voilà, c'était Rainmeter. Je vous ai présenté deux utilisations, il y en a vraiment plein d'autres, donc n'hésitez pas à les fouiller, même si du coup ce que je vous ai montré vous plaît pas forcément, il y a sûrement plein d'autres choses qui pourront répondre à vos désirs variés. Et enfin, on en arrive à la troisième application qui n'est autre que Wallpaper Engine, bien plus connue que les deux autres. Elle est ultra utile, mais genre ultra utile. Ça va surtout vous permettre d'avoir des fonds d'écran animés, ce qui n'est pas possible de base sur Windows en fait. Et là, ça rend juste totalement beaucoup trop bien. C'est une grande bibliothèque communautaire de fonds d'écran. Voilà, il y en aura des animés, des pas animés, avec des effets sur la souris, plein d'autres choses, vraiment, c'est incroyable. Et voilà, c'est ultra utile quand vous voulez personnaliser parce que ça vous permet d'accéder vraiment à tellement d'autres choses et c'est beaucoup trop beau. Voilà, du coup, je l'ai forcément inclus. C'est déjà beaucoup plus populaire que les deux autres, mais encore, ça fait du bien quand même de le rappeler. Donc voilà, Wallpaper Engine, vraiment, vraiment, ça vaut le coup. Vous pouvez même créer vos propres fonds d'écran animés si vous avez le courage et surtout en télécharger. Voilà, moi je me suis pas risqué à la création, mais en tout cas, j'en ai téléchargé pas mal et ça rend vraiment très bien. Vous avez aussi une catégorie NSFW, mais on va pas spécialement s'attarder dessus pour des raisons assez obvious. Mais voilà, si vous avez envie de vous y risquer, libre à vous. Moi, je ne conseille que les applications. Enfin voilà, c'était Wallpaper Engine, c'est vraiment ultra important pour la personnalisation, et puis on arrive quand même sur un résultat, moi je trouve, qui est très correct. On a une interface Windows qui donne beaucoup plus envie, qui est beaucoup plus claire, et voilà, pour moi c'est largement suffisant déjà, 3 applications, ça suffit largement pour avoir un truc très correct. N'oubliez pas de leur autoriser de se démarrer au démarrage de votre ordinateur, sinon ça vous obligerait à les lancer à chaque fois derrière. C'est beaucoup plus simple si elles sont lancées automatiquement. Évidemment, vous avez le lien Steam en description. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Ça fait 3 applications pour moi qui sont super essentielles à la personnalisation sur Windows. J'espère avoir pu vous aider, avoir pu vous guider vers cette personnalisation plus cool. Je l'ai déjà montré à pas mal d'amis, tous ont été assez contents, donc je me suis dit que c'était quand même intéressant à vous partager. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre petit retour en commentaire si c'était trop court ou trop long. Je ne sais pas, à vous de me le dire. Et enfin voilà, ok, je l'ai faite cette vidéo. Je vais arrêter avec ce délire, c'est totalement nul. Bref, si la vidéo vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si elle ne vous a pas plu, mettez-le en bas, ça va de soi aussi. Et puis voilà, vous pouvez, comme je vous l'ai rappelé en début de vidéo, vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez partager la vidéo si vous avez envie de montrer ça à des amis. Vous pouvez aussi commenter la vidéo, ça m'aiderait vraiment énormément, voilà. Donc merci vraiment si vous faites même une seule partie de tout ce que je vous ai recommandé. Vous pouvez aussi, j'en profite, vous abonner à mes réseaux sociaux. Voilà, c'est en description, toujours, tout est en description. Et voilà, c'est à peu près tout. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et d'ici la prochaine fois qu'on se revoit les gens, je vous souhaite très bien vous porter. C'était Léo The Lock. Surchargé en électricité, mais aussi il fait chaud, faut que j'aille vite. Enfin bref, si on se revoit pas d'ici la fin des vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances. Et sinon, je vous souhaite de très bien vous porter d'ici la prochaine fois qu'on se revoit. C'était Léo The Lock, à votre service. Salut.